À tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors on se retrouve pour notre guidance de la semaine, semaine du 11 juillet au vendredi 15 juillet. Semaine avec une pleine lune en Capricorne pour le 13 juillet. Alors, guidance par signe astro et nous allons cette semaine faire par signe feu. Là, on démarre, signe de feu. Donc, avec nos amis Sagittaire, nos amis Lion et nos amis Bélier, signes représentant les signes de feu. Bien entendu, vous pouvez, ça concerne votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Alors, j'ai préparé avec le petit Lenormand le tableau en 9 cartes pour notre tirage général pour votre semaine. Ensuite, nous irons regarder avec quelques cartes le sentimental avec augure noir et augure rouge. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, semaine du 11 au 15 juillet pour nos signes de feu. En carte focus, les amis, nous avons de la confusion. Il y a quelque chose qui vous chiffonne là pour cette semaine. On est peut-être dans le tourmente. Alors, c'est vaste, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un souci d'argent qui perturbe. Ça peut être la santé qui vous... Est-ce qu'il n'est pas question pour certains d'arrêter de fumer? Les nuages, la fumée aussi. Voilà, on va regarder un petit peu plus. Il est question de nouveaux projets, de démarrage de quelque chose qui peut-être vous met dans la confusion ou dans le doute. Ou il peut être aussi question de petite incompréhension concernant un enfant. Alors, je le disais, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci avec les finances qui vous perturbe? C'est ce que l'on peut voir là. Ça peut toucher le domaine du foyer, les amis. Hein. Certains peuvent être, en ce moment, peuvent avoir rencontré un souci au sein du foyer avec un enfant. Voilà, ben, peut-être orientation nouvelle, examen, puisque là, on va être, évidemment, il y a des résultats d'examen qui vont tomber, hein, courant juillet. Il y a peut-être une petite incompréhension avec certains, avec un enfant. Il peut y avoir un petit tourment, quelque chose concernant le foyer, la propriété, la maison, il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans le doute pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit aussi que concernant les finances, pour certaines personnes, il y a eu quelque chose de lourd, il y a encore quelque chose de lourd d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il est question de transactions, de rentrée d'argent, mais de ce fait, ça ne s'est peut-être pas fait ou ça ne se fait pas tout de suite? C'est ce qui vous met un tout petit peu dans l'incompréhension. Avec ces nuages, on est un peu embrouillé, on est un petit peu incertain. Ça peut aussi vous mettre, on va dire, forcément, il peut y avoir quelque chose de négatif. Là, on voit que vous êtes un petit peu dans la tourmente. Alors, on peut voir aussi quand même que pour d'autres, nos amis, signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, il y a certains qui démarrent quelque chose avec une... on va dire une sécurité, on y va là, financièrement, il y a une réussite. Donc, on voit qu'il y a un début de quelque chose, en tout cas qui va permettre de stabiliser. On voit qu'on a envie d'ancrer, là, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se met en place. Grâce, effectivement, à peut-être une transaction, grâce à une rentrée d'argent aussi, vous allez pouvoir pérenniser la chose. Pour d'autres, est-ce qu'il n'est pas question aussi d'un enfant? Travailler en rapport avec les enfants. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Il est question en tout cas au niveau foyer, on le voyait déjà qu'il y avait avec avec un enfant. Peut-être en rapport, vous voyez, avec des enfants. Pour d'autres, il peut être question d'une petite rentrée d'argent. Ça peut être une petite revenu, une petite affaire, une petite transaction qui a eu lieu. Alors,
Effectivement, même s'il y a de la confusion, on voit quand même qu'avec les étoiles, vous vous projetez, hein. Il y a peut-être aussi de la, comment je peux dire, de la connexion. Est-ce que au sein de votre foyer, il n'y a pas, on va dire, des choses qui ont une certaine souffrance, mais on ne peut pas dire souffrance dans le sens où on l'entend, mais quelque chose qui a été lourd, qui est lourd, au niveau, je sais pas, connexion du monde, pas mal de contacts, qui en fait ne vous amènent à rien, qui ne sont que souffrance, j'ai envie de dire, qui n'amènent pas à grand-chose. Communication, Internet, pour certains, il peut aussi y avoir un souci de communication avec un enfant. On voit très bien que pour d'autres, une transaction, tout en sagesse, ou fait en tout cas, on va dire, dans le calme, dans une belle harmonie au niveau du foyer. Ça peut être aussi autour de vous, il peut y avoir question aussi, par exemple, peut-être un petit souci concernant une personne plus âgée que vous. Ça peut être dans votre papa, votre conjoint. Voilà, voyez un petit peu comment ça peut vous parler, hein. On voit en tout cas qu'il est question de démarrer quelque chose de nouveau, on en discute beaucoup, mais il va y avoir un choix à faire, un sacrifice, quelque chose qui malgré tout, vous allez prendre de ce fait une nouvelle orientation, changer. Ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner le foyer, la maison. On voit que vous voulez vous ancrer, il n'y a aucun souci avec, de toute façon, soit il est question d'argent, donc officiel, c'est ce que l'on voit avec ce lys, ou bien de décisions réfléchies aussi qui concernent de toute façon le foyer. À un moment donné, on voit quand même qu'il y a un petit peu de tourment, qu'il y a un petit peu d'incompréhension, peut-être par rapport à des communications qui ne vont pas dans le sens où l'on que l'on souhaite, que l'on veut, ce qui explique cette croix, cette petite souffrance, mais bon, rien de bien méchant. Alors, on va recouvrir. On voit qu'il y a quand même aussi, attention, une communication avec une personne âgée, plus âgée que vous en tout cas. Et éventuellement, cette communication, vous met dans le brouillard. Vous apporte pas ce que vous attendez. Il peut y avoir une petite incompréhension dans les échanges. Alors, effectivement, attention avec un enfant aussi qui peut peut-être avoir un souci de santé, hein. Vous pouvez aussi rencontrer peut-être un souci, comme on a vu les nuages tout à l'heure, concernant l'éducation d'un enfant, avec un enfant aussi, hein. Tout à l'heure, je disais que vous voulez vous ancrer, vous voulez une stabilité, j'ai l'impression qu'il va falloir couper, trancher. Vous pouvez prendre une décision assez rapide aussi, hein, qui peut concerner le domaine financier, c'est ce que l'on voit. En tout cas, il peut y avoir un changement d'un coup, décision rapide concernant le domaine financier. Pourquoi? Parce qu'on met vraiment un terme à quelque chose là. Vous mettez, il y a fin. Il y a changement. Attention pour d'autres personnes concernant un enfant, un ado, il peut y avoir quand même un souci de santé avec éventuellement une intervention chirurgicale. Mais voilà, ça mettra fin, on n'en parlera plus, c'est nécessaire. Pour d'autres, il peut y avoir concernant un nouveau projet, une stabilité que l'on veut, une décision rapide qui va être prise concernant les finances, quelque chose sur lequel on met un terme. Alors, la communication. Communication peut-être dans le sentimental, communication avec une tierce personne. Communication effectivement lors d'une réjouissance, lors d'une invitation, mais c'est quelque chose qui vous fait peur, j'ai l'impression, qui vous perturbe, qui est bloqué. Il semblerait que pour certaines personnes, j'aborde vite fait le sentimental, puisqu'on le verra tout à l'heure. Avec le tirage augure, mais là j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui vous
Est-ce que vous aviez prévu d'aller quelque part ou voilà, pour un rendez-vous ou autre avec une personne, donc certes un peu plus âgée que vous, de quelques semaines, de quelques mois, c'est bloqué, il y a un retard. Pour d'autres personnes, concernant éventuellement justement un projet, il y a pour l'instant un certain blocage, il y a quelque chose qui coince. Alors, je disais bien que vous alliez changer d'orientation, que vous alliez peut-être voir les choses autrement. La clé est là, la solution est là. Ça peut concerner effectivement le foyer, votre foyer, intérieur, votre maison, l'immobilier. Il y a des décisions qui vont devoir être prises, là, peut-être des chemins différents qui vont devoir être pris par rapport à une situation qui peut se retrouver bloquée. Effectivement, les amis, on peut être en face de retard, blocage, et de ce fait, de prendre les choses, être obligé de prendre un chemin différent, ce qu'on a vu là-haut d'ailleurs, une décision assez rapide qui allait être prise. Effectivement, à un moment donné, sentimentalement, il peut y avoir un petit couac, quelque chose de tristounet. On voit que peut-être on va lever le voile sur pas mal de choses, d'où ces discussions, sans doute. Bon, on voit aussi quand même que de toute façon, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez l'étoile, elle est là, vous allez être guidé par effectivement un autre choix. Qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Alors là, oui, je vois bien que effectivement concernant quelque chose d'officiel, bon après c'est les vacances, donc fatalement peut-être que ça se retrouve, vos démarches, on va dire bloquées, ben, tout est ralenti, hein, là, tout va se retrouver ralenti, donc bon, je ne suis pas très étonnée de trouver cette montagne. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal quand même. On voit bien qu'il y a un projet, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose ici, même si pour l'instant on voit aussi qu'il y a un petit ralentissement dans les activités. J'ai envie de dire, bon, c'est un petit peu normal. Juillet, août, ça va être un petit peu compliqué, mais on voit très bien cette clé, on voit très bien ces chemins. On voit, il y a des décisions qui vont de toute façon être prises différemment, sans doute. Mais en tout cas, voilà. On voit qu'il y a une période difficile pour certaines personnes sentimentalement également. Il peut y avoir une période difficile aussi, sans doute, concernant le foyer, où on voit qu'une décision va devoir être prise parce qu'on va se retrouver face à une situation, on va dire, un petit peu difficile. Voilà, les amis, tout ce que l'on pouvait voir pour votre semaine. Alors, nous allons regarder avec côté sentimental un petit peu ce que nous retrouvons. Pour nos signes Sagittaire, Lion, Bélier, signe de feu, semaine du 11 au 15 juillet sentimental. Vous les voyez. Alors, qu'avons-nous? Qui renferme de l'or. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne, un objet familier qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf, sans a priori. On vous demande d'ouvrir les yeux, là. J'ai l'impression que pour certains, si vous venez de faire une rencontre, à vos yeux, la personne vous semble de grande valeur. Vous voyez, on vous demande vraiment de la regarder, peut-être, j'ai envie de dire, plus profondément. Pour les couples, vous pourriez par contre trouver
au-delà de vos habitudes, des nouveaux intérêts. Profitez peut-être si vous êtes en vacances, faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, qu'on ne partage pas, vous voyez. Par contre, pour les célibataires, si vous êtes à la recherche de votre moitié, bah, j'ai envie de dire sans doute qu'elle n'est pas loin. C'est très joli, on vous demande simplement de regarder d'un œil neuf. Décaver, gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Avez-vous connu une rentrée ou une sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. On l'a vu tout à l'heure dans le domaine, dans le tirage général, je veux dire, qu'il y avait, de l'abondance, il y avait de l'argent qui était là avec une décision rapide qui ne saurait, qu'il fallait peut-être prendre. Effectivement, vous pourriez, alors, il n'y a pas que de l'argent, dans le sentimental, ça aussi prouve que vous pourriez recevoir une belle preuve d'amour sous par exemple la valeur d'un cadeau. Ou alors, pour certains, les couples, vous pourriez être en train de là, on voyait l'abondance tout à l'heure, on va s'engouffrer peut-être dans des grosses dépenses, vous voyez, pour faire quelque chose de beau sentimentalement à deux. Les célibataires, tout à l'heure, ce qu'on voyait, que vous n'êtes pas loin de faire une rencontre, peut-être que vous allez dépenser de l'argent pour plaire d'ailleurs. Hein. Tramontane. Alors, j'aime bien celle Tramontane. Étoile polaire. Je crois que c'est une carte magnifique, les amis. Alors, cette carte est de très bon augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous. Vous inspirez dans vos choix, guidez vos pas de façon sûre pour prendre la meilleure décision. Écoutez tout simplement votre cœur. Eh bien, célibataire, j'ai envie de dire, on est d'accord, on va se faire beau, on va dépenser des sous, mais là, on est sur la bonne voie. Hein, quelque chose va se manifester. Couple, j'ai un sentiment que là, voilà, on va peut-être dépenser des sous, on va peut-être faire des choses nouvelles. C'est peut-être le moment, si on est en vacances ensemble en plus, hein, on est voué à vivre quelque chose de beau là, voilà, en gardant la tête froide, bien entendu, hein, étoile polaire, on garde sa tête froide, mais on est voué là à une belle histoire. Il y a quelque chose de beau sentimentalement, vraiment ça suit en fait, hein. On est, voilà, on va partager quelque chose de nouveau, là, certes, qui va peut-être coûter un peu d'argent. On va recevoir en retour quelque chose de beau, une déclaration, un cadeau. C'est, voilà, très joli. On termine avec Miton Mitaine. Situation qui était peut-être bloquée, mais pas à cause d'une personne ou de malchance. Hein. Le temps n'était pas encore venu d'avancer. Je vous l'ai dit, c'est peut-être le moment, puisque là, on va se retrouver peut-être en vacances ensemble. Hein. Dans cette attente, pensez à ce qui pourrait jouer en votre faveur. Une personne, une action, un silence. Là, quoi qu'on entreprend, j'ai envie de dire, que ce soit couple ou seul, hein, si on cherche quelqu'un, là, ça ne va pas passer inaperçu, vous voyez. Je pense que là, le moment, il est bon, on va se retrouver efficace, je regardais les chiffres, les amis, vous avez sorti 4-4, on va aller chercher le 4 après. Magnifique, 4-4. On est dans quelque chose qui ne passera pas inaperçu. Quoi que vous allez faire sentimentalement cette semaine, c'est du beau. Peut-être ça va coûter. Peut-être on va recevoir quelque chose de beau en contrepartie. En tout cas, ça ne passera pas inaperçu. Très beau message sentimental, les amis. Alors, ce 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh oui, réalisation. Le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation au cas où il y a un petit coup de frein, ce que l'on ne ressent pas du tout dans le jeu. Très beau tirage sentimental, les amis. Et avec augure rouge, nous avons belle baguette. Auriez-vous envie de piquant? C'était pas à peu près notre tirage. Si vous cherchez à épicer votre vie amoureuse, vous pourriez trouver l'inspiration et faire des étincelles. À l'inverse, un événement inattendu pourrait être cinglant. Non, non, non. Là, je pense qu'on est dans le beau. La baguette de où, les amis? Elle va servir à bon escient. C'est très beau, c'est piquant. Nous sommes vraiment dans... effectivement, quelque chose va épicer la relation cette semaine. Cocatrice, poursuivez votre fantasme, un être idéal. Ou trouvez... À vouloir, pardon. Trouvez-le ou la partenaire. Attention de passer à côté du presque parfait.
vous pourriez accorder un peu plus de souplesse aux aspects plus secondaires. Et oui, je crois qu'on va vouloir du beau, la cocatrice, on va vouloir briller, on va vouloir se montrer. On l'a vu tout à l'heure, hein. Hop, là, la situation, elle va exploser, on ne va pas passer inaperçu. J'ai l'impression qu'on va être dans le, je vais dire théâtral, mais on va, voilà, cocatrice, ça me fait penser à ça, vous voyez. On va se montrer. Peut-être qu'on imaginait des choses que l'on va mettre en place pour cette semaine, les amis. Très, très beau tirage. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt.